bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. La chaîne de la luxure électrique, des technomanceurs. Où en étions-nous? Nous avons fui la ville parce que ce traître de colonel, Victor, déjà il a un prénom à la con, je veux dire, ne croyez jamais les Victor, hein, ce sont des traîtres, ils font toujours des coups dans le dos, ouais, voilà. Ne faites jamais confiance à un Victor. Continuons. Nous étions donc enfuis dans ce tank après que j'avais buté tout le monde, même mes anciens potes, Jeffrey. C'est triste. Mais bon voilà, s'excuser, non, ça c'est pas mon genre. Rassurer, c'est pas mon genre non plus. Donc voilà, à part de choix par défaut. What can you tell us about Noctis, Nisha? You been there before? If I hadn't, how the hell would I be bringing you there? The place is a secret, and the only way you know where it is if you've been. It's impossible to describe to someone who's only ever seen the shithole of Ophir. More colorful, more lively. People from all over the planet live there. Tons of merchants, obviously. But we'll be there soon enough, and you can see for yourself. Bah mon dieu! Que s'est-il passé? Ah, évidemment, ça c'était une femme qui conduisait, fallait s'y attendre. Hey, hey, hey. C'est moi qui aurais dû conduire. Ah, il y a un timer, j'ai 5 heures pour. Oulala, qu'est-ce que c'est que ce gros machin? Well, according to the sky, we don't have much time before sunrise. Fortunately, we're not very far away. We better get a move on. It's a pretty good idea, because, as I was about to tell you, these creatures are social. They rarely travel alone. We might find ourselves in the middle of a herd, and an angry ostrich. Merci, Scott. Tu allais dans le noir. Mais tu es très intelligent. Want to guide us, Nisha? And Amelia, leave that rover alone. As you said, you won't be able to fix it. And if you stay, you'll die. Isn't that what that bitch wanted? That I die? Ça fait 10 épisodes que t'as ton sparadrap sur la joue, t'es toujours pas guéri? We never wanted you to die. We need you. I know that you love that machine, but there's no time to cry over it. Come on. Bon, très bien. Atteindre les portes de Noctis avant le jour. Alors, c'est où? C'est par là-bas. Très bien, regardons. Regardons la carte. C'est... D'accord. C'est loin. C'est très très loin. C'est ultra loin, dis donc. Une grotte. Bon. Ok. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mes compétences. Voilà, un point disponible de compétences. Fantastique. Roublard gardien. Non, je m'en fous. Guerrier, ouais. Je vais prendre ça. Ça c'est très bien. Attends. Compétences passives. Augmente la zone de touche. Ouais, ça peut être pratique, mais je sais pas trop en fait. Je sais pas trop. Qu'est-ce que j'avais d'autre en haut là, dans la compétence de machin chose. Génère une source d'énergie quand un ennemi. Ah, c'est pas mal ça. Point électrique. Ouais, bof. Lance une bombe magnétique qui repousse les ennemis quand le champ protecteur. Ah non, ça c'est le bouclier, je m'en fous un peu ça. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, voilà. Ah, attends, talent. Ah voilà, talent. Le fameux talent qu'on avait. Ah, furtivité dans. Ouais, ça je m'en fous. Est-ce que je prends le crochetage pour une fois, ou alors est-ce que je prends la science Allez, je prends le crochetage. Ah, voilà, comme ça on ne m'y reprendra plus. Ok, alors j'avais des trucs là. Des vestes de technoman, des machins. C'est qui était un peu de la bouse en fait. C'est de la grosse bouse que j'ai récupérée là quand même. Ça c'est trop naze. Ça je m'en fous. Les boucliers c'est pour les lâches. Les lâches comme les Victor d'ailleurs. Ah, la fameuse mâche de David. Il faisait pas beaucoup de dégâts quand il était avec moi. Ouais tiens, je vais charger ça. Et alors par contre il avait une super masse et il l'a bien caché. Hein. Ça peut être sympa, mais en fait, non, ce que je sais, c'est 10 fois mieux, quoi.
Ouais, c'est vraiment de la boost qu'on a récupéré. Bon, bah tant pis, on peut pas dépecer ce machin. Non. Bon bah les enfants, on y va, hein. C'est parti. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que je passe par la droite ou par la gauche? Allez. Avant le jour, déjà, putain, j'ai déjà perdu 2 heures dans le menu, d'accord, super. Bonjour, autruche bizarre. Et autruche pas très résistante. Ah oui, elle supporte pas trop l'électricité, ces saloperies. On peut dépecer ce machin? Ouais, c'est ok. Ok, allez, attends, moi je le dépece moi. Ok, y'a rien. Et on va courir un peu. Oh, cinématique! J'aime les cinématiques. Ah, c'est un piège! Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et d'une. Et de deux. Hop. Le temps passe super vite quand même là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça s'accélère quand on combat. Non? Ou c'est moi ou c'est... C'est peut-être moi, hein. Tu me diras. Ah, il y a une caisse. Allons fouiller la caisse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien! C'est du troll, les gens, là. J'aime pas me faire troller comme ça, moi. Voilà. Ok. Beaucoup de temps que je vais essayer de me grouiller quand même, hein. Il reste que 2 heures. J'ai plus accès à la minimap quand on se bat, ça c'est vraiment chiant ça. Tu recourir par contre? Ah ouais. Ah bon, il m'a donné un coup de pied, le vilain. C'est ça les trucs au sol là. Allez cours petit, cours. Cours. Cours vite. Il faut partir avant de mourir brûlé par le soleil. Oui, oui, ça peut être pratique, oui. Aïe aïe aïe. Et donc on est à l'extérieur sur Mars, hein, donc il y a de l'oxygène. Pas me suivre avant d'avoir tout. Ok, alors attends, c'est le meilleur chemin, c'est par où? Non, je veux pas la map monde, moi je veux le truc là. Ah ouais, donc là je suis par là, et bien tout droit. Tout droit ici, là. Ouais, par là. Bon, on n'a pas le temps d'aller à gauche. Moi je vais direct à la sortie, là. Voilà, c'est là. Il y a encore 3 monstres et demi devant, mais c'est pas grave.
moi à te les faire, amène-toi. Niveau du jeu, tu peux te tuer. Très bien, attends, mais j'y suis là, c'est bon. Oh, il y a une caisse. Autant pour moi, il y a une caisse. Hein. Comme un mec qui va mourir brûlé parce qu'il avait une caisse. Ah, je peux crocheter. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, t'es. Ah, attends. Ah, je peux même pas sauvegarder, saloperie. Hop, allez. Tant pis pour le crochetage. J'ai pas envie de paumer là et de te refaire. Messieurs, dames, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce boui-boui? Il a une tête bizarre quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, des ratons! Hein? Mon dieu. Écarte-toi maintenant. S'il n'y a qu'un seul râteau, Non, they're trying to open the roof. You, up there! Stop! Stop! It's Nisha! Listen to me, stop! We'll take care of the creatures! I'm sorry, Nisha! I didn't... I'm stopping right now! But I'll only be able to open the doors for you once the area is completely secured! Amenez-vous les râteaux! Tiens, regarde ça. Attends, j'arrive. Ce massacre. Ce massacre. Oups. J'ai pris une petite baffe là quand même. Hop. Aïe. Super. Ça lui fait rien l'électricité. Comme qu'il y a dessus, Scott. Allez, dégage. Et voilà. On peut dépecer ces merdes. Ouais, d'accord. Tiens, un petit peu le bordel. Et voilà. Je suis pris une baffe. Hop, esquive. Re-esquive. Re-esquive, attention. Dark. Et voilà, j'ai repoussé les créatures. Si j'étais un des corporate rejects, je pourrais être élevé. Tu sens-tu, Zachariah? Nous sommes en train d'entrer. Et je suis le roi du dépeçage. Ah merde. J'ai bien fait de me débrouiller. Bonjour Rando. The news from Ophir sounded a little chaotic. You look healthy. Worried about me? Give me some credit. Let me introduce you to Zachariah Mancer. He's the reason why I'm here. Ouais, c'est moi. Mais appelle-moi. Look at that. Zach. The technomancer who saved us from the Vori. Interesting, very interesting. Happy to see you again. Now I understand why the prince was insistent. He'll want to see you as soon as possible. The prince? Dandolo. Prince, le chanteur, mais il est mort. If I were you, I wouldn't keep him waiting. He loses patience quickly. There's nothing like fresh news for him to be on pins and needles. Alors il l'a ressuscité sur Mars, c'est ça? And he loves Nisha. Very well.
I'll go see him. Happy to see you in one piece. Ah, mon pote Beg. Beg? I feel like I got ripped off. Apologies, we were forced to improvise. Playing a simpleton is a great way to avoid attention when you are a mutant. You can go see the prince now, en fait, but come back later. There's something I would like to discuss. I will be near the sand sails. Wait a... Your name's Andrew, isn't it? We went to the academy together. But didn't we... I overheard you talking to Master Connor after I brought him to meet you. I guess you overheard. Very well. Come find me once you've met with the prince. We'll talk about it. Go now. Don't keep him waiting. Noctis, suspicieux. Équiper les compagnons. Ah oui, d'accord. Bon, bah, j'ai deux nouveaux compagnons, c'est fantastique. Et donc, je suis dans une nouvelle ville. Ok, où là, il n'y a pas grand chose. Ah, si, il y a des escaliers qui mènent là-haut, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Enfin, je dis une nouvelle ville, mais en fait, c'est une espèce de couloir, quoi. Un marchand. Bonjour, madame la marchande. Tu fais exactement les mêmes mouvements que tes potes de la ville. Bon, déjà, j'ai un niveau supérieur, là. Que je vais augmenter mes compétences. C'est quoi, ça? Mais ouais, je prends ça. Et ça, c'est surcharge. C'est excellent, ça. Ok. The most exotic goods on the planet. All here. Des objets exotiques. Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Mais déjà, je vais te vendre toutes mes merdes. Genre ça, voilà. Ça aussi, parce que j'aurai jamais 3 agilité. Alors là, voilà. Voilà, ça, le bâton à pic, ça c'est pour moi. Ah non, ça je peux pas vendre le. Ouais. Ok. Voilà. Et ça aussi, ouais. Ok, les armures. Alors, les armures. Ah, le casque de Jeffrey. Ah, ça, je peux équiper et ça me donne pas mal, ça. Ouais, donc du coup, je peux me débarrasser de mon casque de soldat. Plastron de soldat légique. Il va falloir que je mette le bonus, hein, quand même, dedans. Ouais. Veste d'espion, on s'en fout. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, ok. Je vais devenir super riche. Ça va être la fête du slip. Bon, t'as quoi à vendre, ma grande? Un casque de pilote avec un respirateur. Ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa, surtout le respirateur, c'est quoi? C'est un Dyson? Non, c'est un truc qui aspire la poussière, c'est ça? Bon, en fait, t'as que dalle. Hein. Ah, fais voir. Le bâton à bobine. Moi, j'ai mon tube d'acier, mais là, il y a trois... attends, non. Attends, je dis des conneries, là. C'est ce qu'elle vend, en fait. Et ouais, le tube d'acier là avec trois trucs, mais je prends ça. Moi je prends ça, ça a l'air très très sympa ça. Voilà, et du coup, le reste ne m'intéresse absolument pas. Hein. Mais alors par contre, je vais aller voir dans mon inventaire quand même. Non, c'est ça l'inventaire, voilà. Tac, tac, tac. Ah ouais, le tube d'acier là, excellent. Voilà. Alors les autres là, les autres loulous, ils ont quoi là? Ah non, c'était pour moi le casque de... Ah merde, j'aurais dû regarder si j'avais des trucs sympas pour eux d'abord. Ah, chiotte. C'est pas grave. Je vais quand même mettre le casque de... Voilà. Voilà, je vais mettre ça. Et lui... Là, tu vas mettre le casque filtre hors d'air, voilà. Ok, torse. Ouais, zut. J'aurais dû garder, j'aurais dû les équiper. Bon, c'est pas grave.
C'est pas grave. De toute façon, la prochaine fois. Voilà, la prochaine fois, je vous équiperai avec des trucs sympas que je récupérerai. Voilà, il n'y a pas un établi quelque part hein, que j'augmente mon super bâton là que j'ai. Hein. Oups. Attends, c'est faut pas que je me fasse des ennemis ici quand même. Alors, ok. Alors, il me donne les quêtes. Ah si, il y a un établi là-bas, voilà. Comme d'habitude, des longs couloirs vides. Oh, putain, mais les mecs dans les jeux, quoi, on s'en fout que ça soit immense, mais il faut de la vie, il faut de l'animation. Regarde, des longs couloirs vides où tu cours pendant 3 heures, ça ne sert à rien. Mais à rien, je sais que c'est joli, c'est excellent. Et vous pouvez dire que dans votre jeu, les cartes sont immenses et que c'est fantastique, mais on s'en fout en fait. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Dégâts améliorés, niveau 2. Ouais, parfait. Voilà. Là, je vais mettre aussi dégâts améliorés, niveau 2. Très bien. Et là, dégâts améliorés, et niveau 2. Superbe. Superbe. Je vais tout défoncer avec ça, moi. Bouclier, je m'en fous, en fait. Hein. Est-ce que j'ai d'autres trucs à faire, là? Non, ouais, ça. Et donc ça, réduction de dégâts. Qu'est-ce que je vais mettre? Dégâts physiques, hein, c'est ce que je me prends le plus, je crois. Hein. Ouais, allez. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Et c'est bon. Je suis paré. Alors, où c'est que je dois aller maintenant, moi? Ah, il y a une petite mission secondaire sur le tank là, mais moi je vais aller là-haut. You wanted to see me? Ah. Yes. I apologize once again for having to play this role in front of you, but the situation was a difficult one, and I could not risk blowing my cover. I understand. You're one of Dandolo's spies too? No. I work for my people, even if Dandolo was a precious ally. I was in Ophir to plan an escape. But it was not exactly what I wanted to tell you about. I would like to offer you my services. You're also a mercenary? No. I am not interested in serum. And a technomancer ally, yes. It is rare for mutants to know someone with your talents. So if you need a hand or any information, you know where to find me. And maybe I will ask for your services once in a while. All right. Ah, très bien. Un nouvel allié. Excellent. Mais ouais, je vais le prendre à la place de... Je le prendrai à la place de Scott, je pense. Parce que Nisha, elle me plaît bien, quand même. Can't go through here. Ah, super. Super, super, super. Alors, il faut que je passe par où pour monter? Eh bien, par les escaliers, tout simplement. Et donc, c'est par où? C'est par là-bas. Crac. Mais c'est trop grand les gens quoi, c'est pas possible, on se paume dans vos villes immenses. Des trucs plus petits. Ok, alors si je ne m'abuse, c'est par là, il doit y avoir un escalier qui descend. Ah non, en haut, pardon. Tiens, il y a un mec qui file une quête là, je la prends, allez, hein, je suis là. J'adore les mecs qui parlent des inconnus. J'ai une mission très importante à vous confier. Mon avenir en dépend. Je ne te connais pas, mais je le fais quand même. Pleasure then, Zachariah. Are you a hunting enthusiast, a trapper, specialist in local species? Maybe a strong fellow like you might be a mixture of them all. Sorry to disappoint you, but I'm none of those things. Ah, well, my hope got the best of me. I've been looking for someone to aid in my studies. A shame. Sure you're not a hunter, or even someone who'd want to try his hand at it. Mais si, je vais t'aider, mon grand. Yes, of course, of course. You see, the focus of my study is the planet's fauna. All the insects and animals brought by the settlers that have since mutated, much like our own mutants, if not in a more spectacular way. Now, I've studied the most well-known of the creatures, of course, but I have heard of much more rare specimens, which I would go to any length to study. It would offer great insight into the animal mutations. Anyone can admire their beauty. But what we need is to understand how they came to be what they are. We need to study their anatomy.
but they are, of course, rather dangerous. So you need a hunter to find them and bring back your specimens. I might be able to help. What are you after? Well, there is so much. There's a black mole and a shield toad. Also a locust I've named Locusta tempestatus, or more colorfully, the storm locust. It's been spotted in the tunnels beneath Ophir. Très bien. Tuer un locuste orageux. Tout ça pour ça. 3 heures de dialogue pour dire qu'il fallait buter un mec. Bon, allez, allons parler au prince. Le prince charmant. Dans son palais. Ouais. T'as un tapis volant aussi, non? Dandolo. Excellent comme nom. Ah, and here comes the rare pearl, the diamond in the rough that my Nisha tells me about. Come, young man. Zachariah Mancer. I am... was a lieutenant in abundance. Then welcome to Noctus Labyrinthus, Zachariah Mancer, former lieutenant of abundance. I am Dandolo, head of this fair city. Legendary city of the merchants. Apparently less legend than I thought, or been told. But hopefully as glorious as legends proclaim. Regardless, for all who come seeking asylum, it opens its arms to you and your companions. You are free to call it home. Like all who have come before you, you will honor our only request, that you make yourselves useful to our city. I'm sure your skills will place you in high demand. Noctis's first technomancer. Exciting. You'll have all the help you need with Nisha and Lucky, who I believe you've met. We'll give you a room to get some rest. I hear your trip was quite eventful. There is something else. I would like to personally discuss my expectations of you. You hear? War between Abundance and Aurora's winding down. Aurora took Green Hope. You just left Ophir a few hours ago and didn't hear anything about that. That really surprise you? Your little censorship office probably hasn't decided what to do with the information yet. No, no. Don't look at me like that. You don't belong to Abundance anymore. The truce doesn't behoove us. During peace, the corporations become more suspicious of us and our business suffers. Our city could even be discovered, which would be catastrophic. In legend, it must remain. What are you... No, no, let me speak. Your welcome here comes at a price. I want you to attack an Aurora convoy. It's right up your alley. And why would I do that? I didn't finish. You will do it in Abundance uniforms, dissolving the truce. Do what you want with the soldiers, but let the civilians live. They need to be witnesses that'll report back to Aurora. So you keep the war going? Precisely. And while you're at it, bring back the uniforms of the Aurora technomancers you dispatch. I'm sure I'll find a use for them down the road. Ah, another thing, much more trivial this time, I assure you. The rover you came in on, I'd like you to move it. Put it wherever you want, do whatever you want with it. Just make sure it's not in the way, in the canyon. I just don't want Ophir to stumble over the machine and, as a result, find the road that leads here. Yeah, I'll see what I can do. Oh yes, one last thing. My spies gave me a little tidbit that might interest you. Right after your escape, the ASC arrested your technomancer brothers, that's what you call them, right? From Ophir. Their fate's uncertain, but if I was you, I'd be worried for them. If you're worried enough to want to help them, maybe we can set up some sand sails to get you back. And your help comes at what cost? Assuming it's not out of the kindness of your heart. Don't be so bitter, Zachariah. Business is business, not personal. I just thought... a few technomancers on our side might be useful. Ah, et ben dis donc, c'est pas trop tôt. Ce dialogue était quand même très très long. Bon, et bien voilà, allez, je vais m'arrêter là. On a quand même pas mal progressé là. Ouh, bonjour madame. Bonjour, mais qui es-tu, jeune enfant? Où sont tes parents? Es-tu perdu? Bon, allez, voilà, je t'éclaire. Ma lampe torche dans ta face et... qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ça va? Tu vas bien, non? Bon. Bah écoute, hein, pourquoi pas. Ça a l'air très sympa, ce petit endroit-là. On a l'air de beaucoup s'amuser ici. Allez, je vais m'arrêter là. On a donc
On s'est donc enfui de la ville après que l'armée nous ait trahis. Et on a rejoint donc là, on a rejoint la cité des rebelles. Et donc le mec avant de me faire confiance, hein, le chef, le prince, hein, Prince, on l'appelait Prince, plus sympa. Eh bien, il m'a confié 300 milliards de missions que je ferai mais la prochaine fois. Allez, allez, amusez-vous bien. Et à bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant.